Incroyable big news sur Dragon Ball Sparking Zero. Je me devais de vous faire cette vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparking une vidéo. Une vidéo qui n'était pas prévue du tout. Là, j'ai allumé ma caméra, lumière, etc. Le PC. Et j'ai dit vas-y, let's go. On tourne une vidéo pour informer la communauté qui ne sont pas sur Twitter, etc. Alors, on va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow pour ne rien rater en termes d'infos. C'est Sophia Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo je fais juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin sachez que ce vendredi d'accord on sera le 7 vendredi 7 juin je serai en live ici même sur la chaîne youtube à partir de 22h30 pourquoi parce que il va y avoir le summer game fest et le summer game fest c'est un événement jeu vidéo avec Bandai Namco présent pour une conférence sur le jeu Dragon Ball Sparking Zero donc ne ratez pas ça active la cloche pour recevoir la notification. Comme ça, au moins vendredi 7 juin, 22h30, t'es avec nous. On va kiffer. À mon avis, il va y avoir du lourd. T'es pas prêt. Donc voilà. Bon, bref. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Je me baladais sur Twitter. Je vois qu'on m'identifie. Merci à toi, le Otaku59. C'était le premier à m'identifier. La page a été modifiée sur le Play Store. Il est écrit de joueurs. Alors, je vous la fais grosso modo. Vous le savez très bien que le mode local, ce n'était pas prévu. Du moins, dans l'immédiat. On va rappeler brièvement ce qui s'était passé. On avait eu le Dragon Ball Games Battle, Los Angeles, etc. Et malheureusement, les développeurs disaient vouloir intégrer le mode de joueur. Mais dans l'état actuel du jeu qui était en développement, ce n'était pas possible. Pourquoi Comment On ne sait pas. D'accord On avait également la page PlayStation qui disait que, dans l'immédiat, il y a juste un seul joueur. Ça a crié. Juste raison, c'est normal. Moi, le premier, je dis, mais c'est pas possible, c'est pas normal, un jeu de combat. tu vois. On a déjà eu des jeux de combat, comme par exemple Naruto, euh, quand il était sorti, un hein, des Naruto, je sais plus si c'était le 3, le 4, enfin bon, bref, vous me direz dans l'espace commentaire, et eh bien il était sorti sans le mode local. Et avec une mise à jour, par la suite, quelques mois après, on a vu ce fameux mode local. Bon. J'ai fait remonter les infos, les amis, comme j'ai pu. De Los Angeles jusqu'à Bandai Namco, jusque sur Twitter. On a même fait un hashtag qui était en tendance concernant ce fameux mode local. Est-ce que vous vous rendez compte Donc, voilà. On savait que l'info était remontée. Alors, après, il y avait euh, des gens qui chouinaient, qui criaient euh, tous les jours, tous les jours, encore même il y a deux jours. Moi, je boycotte le jeu, il n'y a pas de mode local. J'ai dit arrêtez. Calmez-vous. Laissez-les travailler on n'a toujours pas, aujourd'hui, on est le mercredi 5 juin, on n'a toujours pas de date officielle donnée sur la sortie du jeu par les développeurs. Même si, ça serait pour octobre. Mais, laissez-les travailler. Donc, je vous le disais, faut pas être malveillant, faut avoir de la bienveillance, se faire entendre, à juste raison, avec de l'argumentation, des critiques constructives, et ensuite, faut les laisser bosser, au lieu de dire « Moi, je code, j'achète pas, de toute façon, c'est nul, c'est maintenant, Non, ça, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire Encore une fois... On fait bien de patienter parce que regardez bien. Maintenant, avant, quand on allait sur le Play Store PlayStation, les amis, eh bien, il y avait marqué deux joueurs en réseau et un joueur en local. Et regardez bien. Donc, toujours deux joueurs en réseau. Ça, ça ne change pas. Et là, deux joueurs en local. Ça y est. Alors qu'avant, c'était un joueur, les amis. Donc là, forcément, j'ai recité le frérot. Hein, voilà, parce que euh, c'est lui qui m'a identifié en premier. J'ai bégayé. <laughs> j'ai dit, fais coup réel parce que j'étais en voiture. Je ne pouvais pas. Je suis rentré exprès pour vous faire cette vidéo, les amis. Hein. Je suis rentré exprès, j'étais en voiture. Je ne pouvais pas encore aller sur internet, etc. Vérifier. J'ai dit, on a été entendu. Parce que, les gars, alors, moi, vous savez très bien, je ne me lance pas des fleurs ou quoi. Je parle au nom de toute la communauté. Je suis content que si, de part, moi-même, ma propre personne, je suis parti jusqu'à Los Angeles, j'ai essayé de faire remonter les informations à Bandai Namco, au Dev, etc., je suis satisfait que derrière nous, la communauté, on ait été entendu sur ce mode local. Je vous l'ai encore redit il y a de ça 3-4 jours, je crois, quand on était en live avec euh, les frérots de DB Times et les Waymax, j'ai dit le plus gros point noir, justement, de ce jeu, c'était le mode local, parce que moi, j'ai envie de jouer, tu vois, avec mes enfants, j'ai envie de jouer avec ma femme, j'ai envie de jouer avec des potes quand ils viennent, faut les tabasser, tu vois ce que je veux dire, on est là, faut représenter, tu vois, et je m'étais dit, c'est pas possible, c'est, voilà, mais, je ne criais pas au boycott comme certains, ou en disant, je vais pas acheter le jeu, non, je disais, on espère que derrière, ils sont en train de travailler, peut-être avec une surprise pour la sortie du jeu, ou alors, une mise à jour qui viendra par la suite. Mais vous voyez, je ne désespère pas. Et je ne vais pas cracher gratuitement. Oui, je n'étais pas d'accord pour que le mode local soit absent. Donc euh, forcément, je me faisais entendre. Et j'ai poussé assez haut quand même. Je pense que tu peux pas faire plus que moi. Hein, Allez, euh, voilà, jusqu'à Los Angeles, etc. Frérot. Je, je pense avoir fait assez euh, pour que ça bouge. Avec également ce qu'on avait mis euh, en place, le, le hashtag et tout ça sur Twitter, vous savez, en janvier et tout, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Aujourd'hui, quand je vois ça, bah, je suis content parce que. Ça laisse, en fait, présager de bonnes choses sur le jeu. Malgré, voilà, c'est vrai qu'il y en a, même des vidéastes, hein, euh, qui ont des inquiétudes sur le jeu, à juste titre. C'est normal d'en avoir, etc. Surtout quand on est passionné de Dragon Ball, on espère avoir un jeu digne de ce nom. Tu vois, on parle quand même de la série des Budokai Tenkaichi. Donc, c'est normal d'être inquiet. Par contre, je mets de côté tous ceux qui crachent dessus. Le jeu, il est nul. Le jeu, il va flop. Le jeu, il faut le boycott. On s'en fout de. Tu vois, il n'y a pas d'argumentation. C'est pas constructif. On s'en balance. Moi, je parle voilà de ceux qui sont inquiets. Mais en soi, euh, ceux qui sont inquiets, je comprends. D'accord C'est pour ça qu'avec Léo et Max, on a pu parler de nos attentes, etc. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Vous étiez également là dans le live pour ceux, et celles qui, qui l'ont suivi. Et euh, pour moi, j'ai trouvé comme quoi c'était un live très intéressant. Mais il y a un mais. Il ne faut pas être dans la malveillance. Voilà. Vous voyez, tous ceux qui sont dans la malveillance, ça sert à rien. Donc, euh, j'espère, j'ose espérer, tous ceux qui ont fait des tweets, etc., boycott, non, 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 j'espère qu'on va les entendre. J'espère qu'on qu va les entendre, là. Deux joueurs en local, ça y est, ça y est, frérot. T'es où maintenant Voilà. Vous voyez Donc, faut rester dans la bienveillance, faut positiver et se dire les devs, ils bossent. Ils bossent et surtout, pour l'avenir du jeu, ils nous écoutent. Et le fait qu'ils nous écoutent, c'est de bon augure pour le reste du jeu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh, on s'est fait entendre pour les cheveux. Souvenez-vous, j'ai parlé moi des cheveux et fait Regardez les derniers trailers. C'est pas encore incroyable, mais les cheveux, ça a été retravaillé. On parlait du mode local. Regardez le mode local. Pour moi, c'était le plus gros souci. Ça y est, c'est là. Alors, je vais également mettre au cas où pour ceux et celles qui n'avaient pas vu les anciens screens. Par exemple, voilà, il y a le frérot euh, Lone Mal. Il a dit alerte, Sparking Zero écran scindé sur le site officiel du PlayStation Store. Le jeu indique maintenant deux joueurs. Cela voudrait dire que le mode écran scindé avec deux manettes a été finalement ajouté au jeu. Les fans ont été écoutés. Donc voici avant ce qu'il y avait. On avait juste un joueur et deux joueurs en ligne. Et maintenant, on a deux joueurs en local. D'accord Donc c'est ça qui est intéressant. Deux joueurs en local alors qu'avant c'était un joueur. Et ça c'était problématique. Franchement pour moi c'était la plus grosse problématique du jeu. Les amis, voilà tout simplement faut patienter. Et ça laisse présager que ce vendredi là 7 juin 22h30 Summer Game Fest en live sur ma chaîne. D'accord Je vais lancer à 22h30. Hein, c'est jusqu'à 2h du matin. D'accord Je pense qu'on va avoir de grosses news. Et pourquoi pas la date les précos, la jaquette du jeu, Migate révélé. On verra bien, on en reparlera lors de ce live ce vendredi soir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de partager cette news. Vous allez enfin pouvoir vous tabasser avec vos potes. D'accord <laughs> Il n'y a plus besoin de. Voilà. On a un vrai Budokai Tenkashi, le Tenkashi 4, alias Sparking Zero, qui va pop bientôt sur nos consoles, manette en main. J'ai vraiment hâte de le tester. Donc. Euh... Le 21 juillet, il y a la démo au Japon. Euh, la Jump Victory Carnival. Croyez-moi, je suis en train de faire des pieds et des mains pour me rendre au Japon pour le 21 juillet. J'ai dit juin juillet. Excusez-moi, c'est le 21 juillet au Japon, Jump Victory Carnival. Salon euh, au Japon. Et il va y avoir la démo à tester de Spartan Zero. J'aimerais être là-bas pour pouvoir vous faire un vlog, un live, etc. Comme j'ai pu le faire à Los Angeles. Mais c'est pas évident, mais on va donner le max pour se rendre là-bas, les amis. Et pourquoi pas, ben, on pourra peut-être tester à deux avec le frérot Marty Japan. Je le tape, on fait une vidéo, voilà, <laughs> d'éducation à toi, Marty. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous, max de pouces bleus. N'hésitez pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Franchement, je suis hype de ouf. C'était vraiment la grosse bémol pour moi sur ce jeu. Une bémol qui S'avère gommé. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao Eh hey les gars, c'est Goku Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane Ludic Kamiya